tenir malgré tout cette Assemblée Générale qui est nécessaire. Pour donner quelques éléments de contexte, lundi dernier, il y a deux Assemblées Générales interprofessionnelles qui se sont réunies, interprofessionnelles et interluttes qui se sont réunies pour appeler à celle-ci. Depuis hier soir, il y a des étudiants de l'Université de Bordeaux et d'autres soutiens qui occupent l'université pour que ça puisse se tenir aujourd'hui. Je vais vraiment pas être long, mais je pense que c'est un moment important en fait qu'il faut prendre pour discuter notamment de la suite de la mobilisation. On proposait de commencer par un petit point quand même de la journée, notamment à Bordeaux et dans l'ensemble des secteurs importants. Et du coup, je vais laisser la parole à Laurent par rapport à ça. Oui, bonsoir. Oui, c'est bon, on s'entend. Alors, par rapport effectivement à l'idée de cette, en particulier de faire une assemblée générale aujourd'hui, c'est clair que c'est en lien complet avec la journée qu'on vient d'avoir. Entre 30 et 50 000 manifestants sur Bordeaux probablement, une grève massivement suivie et d'ores et déjà on voit bien qu'il y a une reconductible qui est en cours, c'est-à-dire un mouvement qui démarre et c'est bien ce que craint le gouvernement et c'est ça qui est en place. Bon, pour notre part, on était un groupe de syndicalistes qui, dès le mois de novembre, on s'est dit il faut absolument que pour préparer le 5 et qu'on commence à se dire préparons voilà, le 5, la suite, etc. On a commencé à discuter avec les Gilets jaunes, à faire ensemble justement des réunions. Vous avez vu aussi le tract d'appel à l'AG. Aujourd'hui, avec les étudiants, je crois que c'est ça l'idée. C'est qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui peut se construire à la fois voilà, les manifestations, comme on les a vues ben, tous les samedis depuis longtemps, comme l'ont porté les Gilets jaunes. Il y a le fait que les étudiants, ce mouvement contre la précarité qui se construit, et dans les entreprises, évidemment, une grogne qui est vraiment importante, qui se construit dans le public, dans le privé, et qui aujourd'hui peut justement donner une véritable grève capable justement de faire céder le pouvoir. Il faut arriver à combiner tout ça, justement, et je crois que l'intérêt de l'AG, c'est de commencer à voir comment on se coordonne, comment on fait que les actions qu'on mène, les uns et les autres, elles se nourrissent et qu'elles aident en particulier à porter la contestation pour que cette grève reconductible puisse se construire. Voilà, bon, moi, c'était juste pour introduire ça. Ce qu'on propose, c'est de commencer déjà par faire des comptes rendus de secteurs où, justement, le mouvement est lancé. Et en particulier, donc, il y avait l'éducation qui avait une AG tout à l'heure, juste après la manif, et puis après les cheminots. Pour l'éducation, c'est qui l'éducation? Donc, bonsoir. Sur le secteur de l'éducation, je crois qu'aujourd'hui, c'est le grand jour. Alors, on démarre très fort avec des taux de grévistes qui sont nationalement très forts et localement, bien évidemment aussi. Des taux de grévistes aux alentours de 60-70% dans les lycées et collèges. Voilà, avec une préparation à cette grève qui s'est faite déjà les jours précédents, bien sûr, pour le retrait hein, jusqu'au bout de cette réforme des retraites à points hein, qui va amener la misère dans tous les secteurs, mais en particulier les PE et en particulier dans l'éducation. Et ce qui s'est discuté les jours précédents, c'est préparer une suite, une reconduction. Donc aujourd'hui, vraiment un mouvement de grève comme on n'a certainement pas vu depuis 2003 ou même 95. Et tout à l'heure donc, l'Assemblée Générale des Grévistes, donc où nous étions 300, qui vient de se réunir à la Bourse du Travail, donc a voté la reconduction du mouvement. Voilà. S'inscrire dans un mouvement de reconduction. Avec un temps fort mardi prochain hein, de grève, voilà, avec certainement il y aura une manifestation. Et donc des assemblées générales qui vont se tenir partout où c'est possible dès demain, lundi. Hein, et cette reconductible où les grévistes vont préparer un mouvement qui doit s'inscrire dans la durée et qui s'inscrit aussi dans un mouvement d'ensemble puisque nous sommes donc là ce soir à l'Interpro. L'éducation ne gagnera pas toute seule, bien évidemment, et il faut regrouper nos forces dans la grève reconductible et dans le mouvement de reconduction pour pouvoir gagner et faire retirer cette réforme. Mais on sait aussi que ça va beaucoup plus loin. C'est aussi l'assurance maladie, la réforme de l'assurance maladie. Il faut leur faire retirer
hein, et tout ce qui plonge hein, les classes populaires et les petites gens dans la misère, alors que hein, ça se gave en haut et que ça ruisselle seulement en haut. Voilà, donc on est parti sur un mouvement qui, j'espère, donc, va s'inscrire à la fois dans la durée. Bon, d'ores et déjà, j'annonce un élément pour tous ceux qui voudront rejoindre. Alors, c'est sur la rive droite, mais demain, pour les grévistes donc, de la rive droite, il y a une assemblée générale à 17h au lycée des Iris. Bon, ben voilà, que j'invite tous les représentants des autres secteurs aussi à venir pour qu'on puisse s'organiser en interpro localement, partout, voilà, pour construire ce mouvement et finir par les faire reculer. Non, juste un rajout à ce qu'a dit Christine, c'est qu'on appelle également, à la manifestation qui a lieu à la place de la Bourse samedi à 14h. Hein? C'est important. C'est une manifestation sur la précarité, mais bien évidemment la précarité c'est intimement lié à cette réforme des retraites. Puisque justement tous les précaires qui ont une carrière hachée, qui ont des périodes de chômage ou des périodes de congés, qui ont des mauvais salaires pendant certaines périodes, eh bien ces gens-là, c'est les précaires qui vont être particulièrement touchés par la nouvelle réforme des retraites. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Et les femmes particulièrement touchées. Donc, samedi 14h. Bonjour à tous, moi c'est Lionel, je suis cheminot sur Bordeaux, conducteur de train. Ouais, c'est chaud, Chanel. Comment pas intervenir quand on voit déjà, dès la première journée, où il y a une manif quand même qui est exceptionnellement, historiquement assez impressionnante, un dispositif policier qui se met en place, et directement des violences policières s'attaquent à ceux qui s'opposent à ce gouvernement, parce que cette violence policière, elle est téléguidée par le gouvernement. Et que effectivement, ce qu'ils veulent, c'est immédiatement instiguer la peur dans notre camp. Et c'est pour ça que je trouve que c'est extraordinaire quand même qu'on soit tous là réunis pour à un moment donné faire valoir cette convergence qui est nécessaire. Un petit état des lieux chez dans le secteur ferroviaire, un secteur. Donc vous savez, on sort de grève massive en 2014, 2016, 2018, où ils sont en train de mettre en place la libéralisation du rail, c'est-à-dire le capitalisme. Hein. On supprime des emplois. On externalise, on réforme notre réglementation du travail. L'objectif, c'est de faire du dumping social, c'est-à-dire nous faire travailler plus pour gagner moins. Et c'est dans ce contexte-là où on subit des attaques majeures, où il y a des luttes qui sont assez importantes à la SNCF et assez répétitives, comme on a pu le voir en octobre et comme on peut le voir localement, que, eh ben, on s'inscrit dans ce combat sur la contre-réforme des retraites. Alors ce matin, il y avait des AG cheminots sur Bordeaux, où on est quasiment à 100% de grévistes, où il n'y a pas de train jusqu'à dimanche. Ouais. La RATP, ce matin, a voté la grève reconductible jusqu'à lundi. Ouais. Ce qui démontre aujourd'hui la nécessité, et ce qui s'inscrit un petit peu dans ce mouvement des gilets jaunes, de toutes ces luttes dans les secteurs, parce qu'on s'attaque aux services publics, on s'attaque à nos salaires, on s'attaque à nos retraites, et la nécessité de la grève aujourd'hui dans l'ensemble des secteurs pour faire plier ce gouvernement. Donc nous on est là les cheminots, on met en place une grève pour amener l'ensemble des secteurs dans la lutte, dans la grève générale parce qu'elle est nécessaire, mais si lundi, si mardi, si mercredi maximum il se passe pas des choses, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc il faut continuer, mais pour continuer, il faut commencer déjà à s'organiser, à mettre en place à la base, c'est-à-dire laisser les grévistes et non plus les directions syndicales diriger ce mouvement. Ouais. Mettre en place des comités de grève, faire en sorte que ces discussions là qu'on va avoir tous ensemble aujourd'hui, elles permettent de mettre en place des manifestations rapidement, voire dès demain. Demain à la gare, on va avoir des AG métiers pour voter la reconduction qui, à mon sens, au vu de l'ambiance qu'il y avait ce matin et la chaleur qu'il y avait ce matin, ça va être reconduit pour le week-end jusqu'à lundi. Il y a des AG interservices avec l'ensemble
des métiers SNCF, les conducteurs, les contrôleurs, les gens du matériel, etc., à partir de 10h dans la gare. À partir de 11h, nous, on invite l'ensemble des secteurs, l'ensemble des gens qui sont présents ici, voire plus, les étudiants, évidemment, qui sont... Le pack depuis hier, et ça c'est une bonne nouvelle parce que nous on s'en sert pour convaincre nos collègues de se dire qu'on n'est pas tout seul, et on vous invite demain à venir, et pourquoi pas organiser une manifestation dès midi, dès midi et demi, dès une heure, et puis je vais en finir parce que j'en finirai là, et il faut qu'on fasse tomber ce gouvernement, on n'a pas le choix. Bonsoir à tous, je suis infirmière, je m'appelle Nancy. Ouais. Quoi? Je suis infirmière aux urgences de Saint-André, donc nous ça fait 9 mois qu'on est en grève. Ouais. C'est la galère. Là il y a le reste de l'hôpital qui est en train, on espère, de partir sous forme de CIH, donc la contestation gagne les médecins, on espère que ça va pas l'éteindre, mais qu'au contraire ça va la réveiller et ça va la rendre plus généraliste. C'est hyper compliqué à l'hôpital de...